famille Forgeron. Là, j'habite à Coutances. Et qu'est-ce que vous venez présenter ici au salon? Les sculptures que j'ai réalisées un certain temps à la maison. Et cet après-midi, je fais une démonstration. Présenter le travail de la fonderie le plus simple possible. Comment vous allez procéder? Toujours à l'ancienne, mais j'ai essayé de moderniser. J'ai des fours que j'ai modifiés traditionnellement. Donc j'arrive à monter à la température en 30 minutes. D'abord, je crée mon modèle à partir des cires. Et je prépare de l'argile glaise. J'enveloppe le modèle en cire avec. Et une fois que tout est sec, je le passe dans un petit feu. Je récupère la cire, qu'on dit décirage, avant de chauffer le métal et chauffer le moule. Et je le mets là-dedans quand il est en fusion. Et ensuite? Ensuite, je le laisse refroidir, je casse le moule, j'obtiens mon modèle en bronze et je passe maintenant à la finition, qui prend plus de temps aussi. Voilà. Et quand il y a beaucoup de braise, je sais qu'il n'y a plus de charbon. Et quand il n'y a pas de charbon, ça dégage beaucoup de braise. Et quand le métal est fond, la route est changée. On voit bien sa canne, mais rien. Et il ne va pas oser te dire donc, on ne peut pas dire qu'il t'a même de dos, c'est ça.